Step one, wake up, really gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Hola! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, et c'est même plus que ça, puisque je commence une semaine entière de vlog, voilà, pour plein de raisons. La première raison, si vous avez vu ma dernière vidéo, vous êtes au courant. Mon projet écurie, donc, se passe bien, hein, voilà, là, on est... on se rapproche peu à peu de l'ouverture des écuries, donc c'est très très cool. Voilà, cependant, financièrement, c'est compliqué. En fait, je vous invite à voir la vidéo directement pour comprendre un petit peu. Mais voilà, j'ai beaucoup plus de dépenses que prévu. Il y a beaucoup d'imprévus quand on crée une entreprise, quand on crée une écurie, etc. Enfin bref. Donc, comment dire que financièrement, c'est pas la joie, vraiment. Mais je me plains pas, attendez, y a pas de souci, je sais que je vais remonter la pente. Mais voilà, cette semaine de vidéo, elle est là déjà pour me challenger, parce que j'aime bien me challenger. Ça fait très longtemps que j'en ai pas fait, je sais même plus c'était quand la dernière fois que j'ai fait une semaine de vidéo, mais ça remonte tellement. Mais voilà, là c'est un petit peu un double objectif, parce que donc y a cet objectif de me dépasser un petit peu, là, de me rebooster. Parce qu'en fait, le truc c'est que... D'ici quelques semaines, les écuries vont ouvrir, je vais avoir des cours régulièrement, etc. Donc faire une semaine de vidéo, ça va commencer à être vraiment compliqué parce que j'aurai mon projet à côté, mes écuries. Donc là, je me dis, c'est un petit peu le moment de se relancer dans une semaine de vidéo, une semaine de vlog. Mais il y a aussi un côté, j'avoue complètement, voilà, très honnêtement, un côté financier. C'est vrai que les semaines de vlog, ça rapporte un peu plus de sous, forcément. Et à côté de ça, pour m'aider pour mon projet d'écurie, voilà, si jamais vous souhaitez me soutenir, eh bien, j'ai relancé ma cagnotte Utip que j'avais il y a très longtemps maintenant. Donc voilà, vous pouvez venir me soutenir si vous souhaitez sur Utip, il va y avoir des bonnes petites choses qui vont arriver. Il faut savoir que quand vous me soutenez, vous devenez Fire Tipper, je crois que ça s'appelle comme ça. Et du coup, vous pouvez accéder à du contenu exclusif. Et moi, je me suis dit, voilà, pour les gens qui souhaitent soutenir le projet, ce que je vais faire, c'est que toute la semaine, je vais publier un article par jour sur le projet écurie. Donc voilà, avec des choses un petit peu plus concrètes, un petit peu plus confidentielles, on va dire. Voilà, je vais vous parler des chevaux qui vont arriver, je vais vous parler un peu plus concrètement du budget, etc. Donc voilà, je pense que je vais faire ça. Toute la semaine, vous aurez un article par jour. Donc je pense que pour aujourd'hui, ça va être la présentation d'une des arrivées d'un des chevaux. Voilà, présentation détaillée, pourquoi ce cheval, qu'est-ce qui m'a attiré, enfin bref, plein de petites choses comme ça. Mais voilà, donc c'est une semaine de vlog qui commence aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on est dimanche parce que du coup, je vais vous sortir les vidéos. En fait, je vais filmer la veille pour le jour même. Si vous voulez, là, ce matin, je filme. Cet après-midi, je fais du montage. Demain, la mise en ligne. Et comme ça, elle arrivera pour vous lundi, du coup, cette vidéo. Donc demain, enfin bref. Donc là, on est dimanche matin. Le dimanche matin, je ne fais pas grand-chose. Voilà, j'avoue. Là, vous allez me suivre pendant une semaine. Vous allez voir, ça va être ma routine. Alors là, ça va être ça va être très honnête, hein. Je vais pas... vous allez me suivre dans mon quotidien pendant vraiment toute cette semaine d'avant ouverture des écuries, on va dire. Donc voilà. Là, je vais sortir de la voiture quand même. Je vais aller nourrir les chevaux et puis je vais peut-être faire un parage à Arras parce qu'en ce moment, je suis en train de refaire un peu les pieds de tous les poneys. Là, ouais, il reste Arras à faire. Donc je vais essayer de me déterre et de le faire ce matin, le petit Arras, en espérant qu'il soit cool parce que des fois, il peut tirer un petit peu au renard et puis malheureusement s'échapper quand on le part, mais ça dépend des fois. Donc bref, on va voir tout ça, je vais sortir de cette voiture et c'est parti. Allez, c'est parti. Oui, vous avez faim les gros. Hello. Je peux pas faire des plans tranquilles, hein.
c'est pas possible. Ça, c'est mon micro. Oui. Oui, c'est mon micro. Bon, mon petit Ras, on fait ton parage? Oui, moi aussi j'ai la flemme, j'avoue que... J'ai vraiment la flemme. Mais tu as les pieds un peu tout cassés, donc bon. Il va bien falloir. Hein. Du coup, je vais aller faire les pieds de Ras. Ras, je le fais toujours dans le pré, parce que le problème c'est qu'il peut tirer au renard. Il peut tirer au renard et se sauver. Donc je préfère qu'il soit dans son pré et qu'il se sauve dans son pré, ça me pose pas de problème. Plutôt que ce soit dans un endroit pas fermé parce que... Oh, vous me voyez plus. Les écuries, il va y avoir un portail et tout, elles vont être closes, elles vont être clôturées. Mais pour l'instant, elles ne le sont pas encore. Donc je n'ose pas trop le sortir pour le parage. Donc voilà, je prends... tout ce dont j'ai besoin. Hop, et on va aller le faire du coup dans le pré. Voilà. Voilà, le problème de filmer dans le pré et de parer dans le pré d'ailleurs aussi. Bon, le petit monsieur commence à saturer, je crois qu'il en a marre. J'ai fait les deux antérieurs mais... je l'ai pas fait parfaitement parce que vraiment il commence à se cabrer et tout, à être moins coopérant. Donc de toute façon je suis obligée de faire ses postérieurs parce qu'ils sont vraiment dans un sale état les postérieurs. Donc je lui fais rapidement les postérieurs et puis j'arrête là. Mais du coup j'arrête de filmer là, je lui fais les postérieurs rapidement comme ça je me concentre à fond sur lui. Et après je vous reprends. Allez. Bon bah je n'ai plus de batterie sur ma caméra, le seum. Non mais du coup avec Ras du coup ça s'est mal passé. Du coup ouais avec Ras ça s'est mal passé. Je finis avec des bleus un peu partout sur les jambes parce qu'en fait il me tirait très fort son pied d'un coup, donc le pied que je tenais. Et puis il partait en fait, il commençait à tirer au renard et à faire des sortes de demi-tours alors qu'il était attaché, etc. Après ça va parce que il tirait pas assez fort pour se détacher, parce qu'il sait très bien le faire, hein, le nombre de fois où il a cassé son licol ou cassé la ficelle sur laquelle il est accroché, il l'a fait plein de fois. Là il me l'a fait qu'une seule fois, une fois il a pété la ficelle et puis il s'est barré. Et heureusement c'était à la toute fin.
Donc voilà, j'ai un petit peu écourté, j'ai fait ce que j'ai pu pour les postérieurs. J'aurais pas dû faire les postérieurs, je suis dégoûtée. J'aurais dû me dire, ok, il est pas à top aujourd'hui. Et j'aurais dû me dire, bah en fait, je fais juste les antérieurs et je ferai les postérieurs demain. Mais c'est vrai que j'ai toute ma semaine de prévu et j'ai tout planifié. Et du coup, bah, j'avais peur de pas avoir le temps demain. Et bref, hein. Mais je, voilà, j'aurais dû m'écouter. J'aurais pas dû faire les postérieurs parce que du coup, ça s'est très mal passé. Je suis dégoûtée. Franchement, je vais m'asseoir carrément. Non, franchement, c'est pas facile. Parce que j'ai tout mis de côté avec lui parce qu'il acceptait rien. Il acceptait pas le travail, il acceptait pas la pression. Il accepte le contact humain, mais seulement des humains qu'il choisit. Et puis c'est quand il veut. Et le parage, ça se passait plutôt bien, mais plus ça va, plus j'ai l'impression que ça redevient compliqué. Et le truc, c'est que bah, je me fais mal, quoi. Quand je le pars, j'ai des bleus partout. Il est dangereux, quoi. Mais bon, le parage, c'est évidemment... Enfin, je vais pas arrêter de le parer. C'est évidemment la seule chose que je lui oblige, en fait. Je lui oblige un parage à peu près tous les... Normalement, c'est censé être toutes les 6 semaines avec lui. Quand je peux, je rallonge, je fais 2 mois ou des choses comme ça, mais... J'évite de le faire trop souvent parce que je sais qu'il aime pas, je sais que ça le pèse d'être attaché ou même en liberté. Hein. Mais ça, voilà, c'est trop long pour lui, c'est trop de pression. Au début, ça va toujours. Et puis au bout de 15-20 minutes, surtout que moi je suis longue pour faire les parages, ça commence à lui monter un petit peu à la tête. Mais bon, voilà. Du coup, je suis dégoûtée. Je n'ai plus de caméra pour filmer. De toute façon, il est genre bientôt 13h. J'ai passé tellement de temps à le faire parce qu'en fait, dès que je prenais un pied, il se mettait à me tirer, à commencer à paniquer. Mais bon, là, il est revenu un petit peu à la fin. Quand je lui ai retiré l'école et qu'il s'est barré, ça, c'est signe que vraiment, vraiment, je l'ai saoulé. Vraiment, il voulait plus être avec moi. Et en même temps, je le comprends parce qu'à la fin, j'en pouvais tellement plus, il m'a tellement fait mal aux genoux et tout, je sens que j'ai mal aux jambes, enfin vraiment. Je me suis dit, enfin à la fin, j'ai commencé à hausser le ton, à gueuler un peu parce que c'est les nerfs quoi, genre j'ai un peu lâché, voilà. Et du coup, je pense que je lui ai fait peur. J'aurais pas dû, hein, mais bon, c'est comme ça, hein, c'est impulsif hein, quand on n'en peut plus, et puis surtout quand c'est Race, parce que Race, ça fait 5 ans, plus de 5 ans maintenant que je l'ai, et que j'ai tout fait pour qu'il soit bien, et même ça, parfois, ça passe pas. Alors des fois, le parage va très bien se passer, et puis des fois, ça se passe pas bien, et des fois, je me demande si c'est pas ma faute, si c'est pas quand moi, je suis fatiguée, ou s'il ressent pas quand moi, je suis énervée, ou... C'est possible, mais là, aujourd'hui, ça allait, c'est juste qu'il y avait un peu de monde aux écuries, il y avait un peu de passage et tout, et du coup moi je sais que c'est un truc qui me stresse, donc voilà, ça m'a un peu stressée ce matin, donc c'est peut-être pour ça, hein, je sais pas, hein, peut-être que j'étais stressée, et du coup bah lui il était là en mode bah, je veux pas être avec toi si t'es stressée. Je sais pas, de toute façon j'ai arrêté d'essayer de comprendre ce poney aujourd'hui, moi je le laisse faire sa vie au pré, sans travail, sans rien, et je sais qu'il est très heureux comme ça, à s'occuper des poulains, à vivre sa petite vie tranquille au pré. Coucou mon chien. Mais bon, le seul truc pour lequel je suis obligée de l'embêter, c'est bien le parage. Et voilà, des fois ça se passe bien, et puis là aujourd'hui, ça s'est pas bien passé. Bref, c'est pas grave. Bon, écoutez, là il est déjà tard. J'ai pas fini ma matinée puisque là je vais aller faire un petit coucou au poney. Bon, je vais vous emmener avec moi, mais bon, bah au téléphone du coup. Donc ils sont à côté là dans l'écurie à 900 mètres. Je vais aller voir Anna Kingara et Idil. Et. Ça va mon chien ? Bonjour ? Oui, oui, tu t'impatientes un peu. Après je balade les chiennes et ensuite je rentre manger chez moi et je ferai du montage tout l'après-midi, donc je vais pas vous filmer cet après-midi. On va s'arrêter ce midi. Mais bref, voilà, on se retrouve aux écuries du coup. Allez go ! Là, ça va être distribution de bonbons. Bon, et bah
bah du coup, là je suis en balade avec mes petites chiennes. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vais vous laisser là du coup, comme je vous avais dit, je vais aller faire du montage cet après-midi, donc ce sera pas très intéressant. Voilà, n'hésitez pas à passer sur mon Utip, je vous mets le lien juste en dessous, pour ceux qui souhaitent soutenir mon projet d'écurie. Voilà, moi ça me fait, ça me soutient de dingue, je reçois tous les jours des petits dons de 1, 2 euros et franchement merci beaucoup pour ça. Alors merci aussi pour les dons plus gros, hein. Des fois je reçois 15 euros, 20 euros, je trouve ça dingue que vous mettiez cet argent pour me soutenir, pour soutenir mes projets, franchement ça m'émue de fou en fait. Parce que forcément, alors le plus beau soutien que vous pouvez me faire c'est de me suivre quotidiennement, de m'envoyer de la force avec vos petits messages, etc. Mais c'est vrai que l'aide financière, c'est énorme quand on crée une entreprise. C'est ultra important. Donc voilà, merci beaucoup à tous ceux qui m'aident. Je ne vous force absolument pas, pour ceux qui n'ont pas les moyens ou qui ne sont pas majeurs et leurs parents ne sont pas ok et tout. Ne le faites pas. Voilà, vraiment, je vous le dis, ne le faites pas. C'est vraiment pour ceux qui ont les moyens, qui ont envie vraiment de m'aider. Voilà, donc je vous mets la petite cagnotte en description et puis bah moi je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo où on reparlera peut-être un petit peu plus de ce qui va pouvoir arriver grâce à ça. Donc voilà, à demain, bisous. Step 1, wake up early gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be.